Amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto super méga giga glam de la Saint-Valentin. Donc je pense que c'est plus pour le soir et plus pour un côté façon. Voilà, pas pour le côté oh girly, tout ça, tout cute, tout simple, voilà. Donc je sais que c'est pas forcément un look qui plaît à tout le monde pour la Saint-Valentin, mais je pense vous faire quelque chose de beaucoup plus soft et de beaucoup plus facile aussi à réaliser un peu plus tard dans la semaine, même si je sais que la semaine est déjà bien entamée et que la Saint-Valentin c'est dimanche. Au pire, la vidéo sera en ligne dimanche dans l'après-midi, donc ça vous laisse le temps d'être à Tafaya de la bombe pour dimanche soir. Finger cross. Aujourd'hui dans mon tuto, j'utilise la box The Body Shop Love Box spéciale Saint-Valentin. Donc dans cette box, il y a différentes petites choses. Il y a la palette que j'ai utilisée pour les yeux, donc intégralement, sauf pour les paillettes parce qu'il n'y a pas de paillettes dedans et que j'avais envie de mettre des paillettes par rapport à mon turban. Aucun rapport avec la Saint-Valentin, mais je me suis dit, punaise, avec mon turban, je me sens trop de mettre des paillettes. Donc c'est quand même une palette qui permet de réaliser des choses assez nude, voilà, assez cute, et plus des smoky. Donc moi c'est vraiment ces trois fards à paupières que j'ai utilisé, et mon blush c'est celui-ci. Je le trouve vraiment très sympa, je ne m'y attendais pas, mais au final la pigmentation est au rendez-vous. Ensuite il y a un petit savon en forme de cœur qui sent trop bon, il sent les fruits rouges. Alors je ne l'ai pas encore ouvert pour la simple et unique raison que j'ai déjà un savon dans ma salle de bain, mais quand il sera terminé je vais l'ouvrir, je vais l'utiliser c'est sûr. Ensuite il y a un vernis rouge, donc c'est vraiment Saint-Valentin tout ça. Alors moi je ne l'ai pas mis parce que je ne me suis pas encore coupé les ongles et que je trouve qu'un vernis aussi rouge sur des ongles aussi longs... Je trouve que c'est un peu tendancieux, voilà, je trouve pas que ça soit le plus chic qui soit, donc j'ai préféré éviter. Mais dès que je me serai coupé les ongles, je vais l'essayer, c'est une très jolie couleur. C'est la couleur 120, rouge rancard. Rouge rancard, voilà. Ne faites pas attention si cet œil est rouge, j'ai je ne sais pas quoi dedans et du coup il m'embête un peu. Pour les yeux, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent. Donc j'ai utilisé l'encre lèvres et joues Red. Pomme-granate 003, voilà, je trouve que ça donne une petite couleur sans être trop... Oh là là. Il y a également une huile de parfum, donc Red Musk. On nous dit que c'est un parfum aux accords très masculins et sans aucune note florale. Red Musk séduit dès la première goutte avec sa note de tête poivrée et que ça dévoile ses notes de cœur chaude de cannelle. Avant de déclencher enfin la passion en enveloppant le corps d'effluves suaves de tabac. Alors... On nous parle un peu de la parfumeuse qui dit « J'ai voulu réinterpréter la féminité sans tomber dans le côté girly. » Alors c'est sûr que c'est pas girly. En fait moi je trouve que ça sent bon, mais je trouve que ça sent bon pour un gars. Après c'est à voir, passer en magasin, le sentir. Vu que c'est un parfum qui est en rupture de stock, je pense que beaucoup de personnes l'ont aimé. Mais voilà, je trouve que c'est un côté vraiment quand même super masculin. Enfin bon, si ce maquillage vous intéresse, le tuto suit. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint. Je ne vais pas appliquer de primer potion sur ma paupière pour faire tenir mes fards parce que j'ai déjà appliqué mon concealer sur ma paupière mobile et ma paupière fixe que j'ai fixé avec ma Banana Powder de chez Ben Nye et ça me permet vraiment de faire tenir mes fards super bien. Mais si vous ne mettez pas de correcteur, n'oubliez surtout pas de mettre une base de fard à paupières pour que les fards tiennent bien. Je vais commencer par prendre mon crayon noir. Donc c'est un crayon noir, je mets Maybelline, mais vous prenez celui que vous avez. Et je vais l'appliquer grossièrement sur ma paupière mobile. Quand c'est fait, je viens prendre mon pinceau Sephora, donc c'est le numéro 22. Je vais appliquer ce fard foncé sur ma paupière mobile et je vais l'estomper dans le creux avec ce fard gris. Avant d'appliquer mon gris, je prends mon fard à paupières 13, qui est un pinceau estompeur de chez Sephora, et je viens flouter les bords. Je rajoute un peu de fard foncé. Et je réestompe. Je prends un autre pinceau estompeur, donc celui-ci c'est le pinceau Eyes 200 de chez Kiko. Et je viens prendre un peu de gris clair que je vais mettre dans le creux. Je fais bien entendu la même chose avec l'autre œil. Avec un pinceau fin, donc celui-ci c'est un BH Cosmetics, je viens prendre ma couleur foncée que je vais venir appliquer en ras de cils inférieur. Pour apporter un côté fumé, je viens prendre ce pinceau Cookies Makeup et je viens prendre mon gris clair et je vais fumer le côté foncé.
et je réapplique un peu de foncé pour réintensifier. J'applique mon crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure. Je viens prendre ce gris très très clair avec un pinceau très fin et sans marque, que je ne sais plus sur quel site je l'ai eu, et je viens le mettre en coin interne de l'œil pour illuminer. Alors c'est totalement facultatif, mais j'avais envie de rajouter une touche de glam, si on peut dire. Donc j'ai décidé de mettre des paillettes sur ma paupière mobile. Donc je prends un pinceau plat que j'humidifie avec mon Fix Plus. Et je viens prendre ces petites paillettes bleues, donc ça ne fait pas le focus, mais je pense que vous pouvez voir la couleur. Et je vais en appliquer un tout petit peu sur ma paupière mobile. Le temps de laisser mes paillettes sécher un peu et de terminer avec mon mascara, je viens appliquer l'encre à lèvres et pour les joues, rouge pomegranate de chez The Body Shop, c'est la teinte 003. Donc je ne vais pas en mettre beaucoup, juste histoire de teinter légèrement les lèvres. Je viens recourber mes cils et je vais appliquer le mascara Push Up Volume Glamour Waterproof de chez Bourjois. Donc voilà les amis, le maquillage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!